ورحمه الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله راني فرحان بزاف كي راني هنا معكم باش نقدم لكم هذا العمل المتواضع فيما يخص الانتاج في البحث العلمي للباحثين والاساتذه الجزائريين في مختلف dans les différentes bases de données, à savoir essentiellement le Web of Science et Scopus. Ça, donc, les slides sont en langue. Et donc, je suis très content d'être ici. Je remercie l'université de Sétif 2 à travers son recteur et essentiellement à travers le professeur Aïbesh Youssef de m'avoir donné cette opportunité et d'avoir considéré comme ce problème comme étant un problème sérieux et important à prendre en charge dans l'université algérienne. Donc, je suis très honoré d'être ici. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite bonne écoute en espérant être à la hauteur de votre espérance. Donc, chers étudiants, chers collègues, je vais présenter une communication intitulée « Analyse symptométrique de la production algérienne ». En parenthèse, j'ai mis « sciences humaines et sociales » pour donner un accent particulier à cette branche des sciences. Donc, je vais commencer par l'analyse, la classification des branches scientifiques dans le cadre des directions de recherche d'IKN Fel'alem. Il y a différentes façons de classer les sciences. Donc, on va faire un choix. C'est le choix qui avait été adopté à l'époque, quand j'étais à la Direction Générale de la Recherche, à la DGRSDT, pour pouvoir se distinguer dans les normes internationales. Parce que, par exemple, il y a des instances nationales officielles où on confond, on met au même niveau un sous-domaine et un domaine et un grand domaine, dans des instances d'évaluation officielles de l'État. Je parle essentiellement en sciences, à l'enseignement supérieur. La classification des branches, elle se fait, il y a les grands domaines, les grandes thématiques, les grands domaines, les domaines et les micro-domaines. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les grandes thématiques? Alors, avant de dire ce que c'est, je dis qui a adopté ce type de classification. Donc, vous avez l'Australian and New Zealand Standard Research Classification. Il y a quelques décennies, l'Australie était un organe qui était un référent en termes de classement et de classification des productions scientifiques. D'accord? Vous avez aussi l'European Research Council. D'accord? Donc c'est la Commission européenne de recherche, hein, ou le Conseil. Vous avez le Centre national de recherche scientifique français, le CNRS. Alors, j'ai écrit français parce qu'il y a un CNRS au Liban. D'accord? C'est pour ne pas confondre. Vous avez aussi la National Science Foundation, hein, des USA. Vous avez aussi l'Observatoire des sciences et techniques. Cette fois-ci, c'est l'OST canadien, parce qu'il y a l'OST aussi français. Et l'OST canadien, c'est celui qui prépare les rapports scientifiques pour la Banque mondiale ou pour l'UNESCO. D'accord? Alors, les grandes thématiques, il y en a deux. Hein, c'est les sciences et techniques et les sciences sociales, humaines et arts. Il y a une autre classification, qui n'est pas celle qui est adoptée. C'est là où il y a quatre grands domaines. On met les sciences médicales à part, etc. Mais là, je discute de cette classification-là. Ça. Et j'ai donné les organes internationaux qui répondent à cette classification. Vous avez aussi neuf grands domaines. Alors, les neuf grands domaines sont les sciences de la nature et de la vie, les sciences de la Terre et de l'univers, les sciences de la physique, la chimie, les sciences mathématiques et leurs interactions, les sciences pour l'ingénieur, les sciences sociales,
les sciences humaines et arts et le multidisciplinaire. Vous avez des chercheurs qui travaillent sur plusieurs disciplines en même temps. D'accord ? Alors, ça, c'est une première division des sciences. C'est la division ramassée. Il y a une deuxième division des sciences qui n'est pas une sous-arborescence de celle-là, qui est une division étalée. Et elle se fait sur 19 domaines. Hein ? Donc, ce sont les 19 domaines. Donc, vous avez l'agriculture et sciences vétérinaires, biologie et biochimie, la chimie, économie et finances, l'ingénierie, l'environnement et écologie, informatique et télécommunications, mathématiques, médecine, neurosciences, pharmacologie, physique, sciences de la terre, sciences de l'univers, sciences des matériaux, sciences humaines et arts, sciences sociales, psychologie et sciences cognitives et multidisciplinaires. Et là, ce que j'ai mis en vert, ce sont les sciences relatives aux sciences humaines et arts. D'accord ? Et vous avez les micro-domaines. En fait, les micro-domaines qui sont ici, qui sont calculés, qui étaient adoptés à l'époque par la Direction générale de la recherche, ce sont les micro-domaines qui sont donnés par les Web of Science. À l'époque, c'était 252 micro-domaines, mais maintenant, en 2020, il y en a 262, auxquels on a rajouté 3 micro-domaines. On les avait rajoutés à l'époque. C'était les sciences islamiques, la langue arabe et la langue amazigh. Donc, c'était les micro-domaines qui avaient été donnés, rajoutés à l'époque, et qui sont divisés sur 3. Ça, c'est les sciences et technologies, sciences sociales et sciences humaines et arts. D'accord ? Donc, une fois qu'on a parlé de la division des sciences, je vais parler un peu des rapports de production dans le monde et leurs sources d'information. C'est-à-dire le politique en Algérie, quand on fait des rapports à l'international, il nous pose des questions. Il vient d'un enseignement supérieur. Que se passe-t-il ? Pourquoi nous, on n'apparaît pas dans ces rapports ? Que se passe-t-il ? Il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que ces rapports. Donc je vais parler essentiellement de deux bases. Je vais parler du Web of Science et je vais parler un peu moins de Scopus. Et on va essayer de voir c'est quoi la différence entre les deux. Alors, avant de parler de Web of Science et de Scopus, je vais présenter quelques pages de certains rapports. Donc c'est des slides que j'ai déjà présentés dans 2 ou 3 conférences, mais il me semble qu'ils sont importants à présenter et à expliquer. Alors ça, c'est un document qui a été produit en 2010 et c'est un rapport qui dit que c'est la production scientifique par million d'habitants dans le monde arabe de 2002 et 2008. Donc ils ont fait un comparatif, ils se sont positionnés en 2002 puis en 2008. C'est pour ça que vous avez 2 couleurs par ligne, 2002 puis 2008. Et ils ont fait une normalisation par million d'habitants pour expliquer, pour pouvoir comparer les pays. Alors, il y a 2 choses à savoir. Quand on fait une normalisation, il y a des normalisations qui ont un sens. Dans la plupart des cas, elles ont un sens, mais il y a des normalisations qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, quand vous avez une politique d'État pour, par exemple, le nucléaire ou la nutrition ou quelque chose pour un problème donné, on ne regarde plus le nombre de millions d'habitants. On regarde si on a une équipe de recherche qui est capable de prendre en charge la problématique issue pour résoudre le problème du pays. Donc là, on ne regarde pas, par exemple, si on veut un certain nombre de chercheurs en nanotechnologie et qu'on a une politique de nanotechnologie, la normalisation aux millions d'habitants là n'a pas de sens. D'accord ? La normalisation a un sens quand c'est une production globale et qui est distribuée en termes de statistiques. Mais quand c'est une politique d'attaque par rapport à un projet donné, là on ne regarde plus la normalisation. Par exemple, vous entendez dire les Chinois se sont intéressés à tel problème. Les Américains se sont intéressés à tel problème. On ne normalise pas dans ce genre de situation. Par contre, pour les autres situations, on normalise. On essaye de regarder la production par million d'habitants et il y a une production moyenne. Il y a la courbe de Gauss. Hein, on regarde les moyens. Maintenant, ce qui se passe dans les queues, ce qui se passe dans les extrêmes, ça, c'est des traitements à part. Alors, par exemple, quand on regarde ce tableau,
Alors, après, on verra qui a produit ce tableau. En fait, c'est l'UNESCO, on le voit ici, et c'est elle qui a fait l'étude. Et celui qui lui a fait l'étude, c'est le Canadien, l'Observatoire des sciences et technologies canadien. Donc, vous voyez. Hein? Et c'est un rapport qui a été... C'est pour la Banque mondiale, hein, l'UNESCO. Alors, j'ai dit UNESCO, il a été compilé par l'UNESCO pour la Banque mondiale. Donc, vous voyez, quand la Banque mondiale décide d'avoir une approche de prêt ou d'investissement dans un pays, et quand l'UNESCO fait un rapport, elle prend des productions scientifiques. D'accord? Donc, regardez, ce qui est assez remarquable, c'est que nous sommes très loin. En termes de par million d'habitants. Quand on voit nos voisins, juste la Tunisie par exemple, et l'Algérie, vous voyez qu'on est vraiment très loin. Ça, c'est il y a 2 décennies. Hein? En fait, pas la décennie d'avant, mais celle d'avant. Donc, c'est le comparatif entre 2002 et 2008. Maintenant, où ils vont chercher leur production? C'est-à-dire, quand ils veulent voir la production algérienne, c'est-à-dire, quand le politique, il vient chez nous, à l'enseignement supérieur, et qu'il nous dit, mais pourquoi vous ne produisez pas, on vous a donné tout l'argent qu'il faut. C'est ça qu'ils nous disent. Pourquoi dans les rapports, vous n'apparaissez pas? C'est ça qu'ils nous disent. Parce que, non. Le politique, il ne sait pas ce qu'on fait. Ce n'est pas leur rôle. Eux, ils s'occupent d'autres choses. Ils ont des problèmes d'industrie, d'économie, de santé, de droit, etc. à gérer. Par contre, ils vous disent, nous, dans le Conseil des ministres, on vous donne de l'argent. On vous donne suffisamment d'argent, on est comparable aux autres pays. Pourquoi on est devant cette situation? Voilà ce qu'il nous dit, le politique. Et où est-ce qu'il cherche l'information? Ceux qui font les rapports, il la cherche ici. Thomson Reuters, Web of Science. Ils ne vont pas dans d'autres bases. Ils ne vont pas ailleurs. Pour eux, si vous ne produisez pas ici, vous n'êtes pas visible. D'accord? Si on ne produit pas ici, on n'est pas visible. Il ne s'agit pas d'être compétent ou de ne pas être compétent. Ils ne sont pas en train de dire ceux qui ne produisent pas ici ne sont pas compétents. Ils disent mais ils ne sont pas normalisés. C'est quand vous avez un laboratoire, que vous allez faire vos analyses, on vous dit est-ce que ce laboratoire respecte les normes? Si on ne respecte pas les normes, on publie hors normes. On n'est pas en train de vous dire non, ce que vous faites est mauvais. On est en train de vous dire, excusez-nous, vous n'avez pas de certification. Vous n'êtes pas normalisé dans votre production. Qu'est-ce que c'est qu'être normalisé? Ça, on va essayer d'en parler tout à l'heure. D'accord? Alors, je prends le rapport de l'UNESCO pour la prochaine décennie, 2030. Comment il voit l'avenir scientifique dans le monde? D'accord? C'est quand même assez révélateur. Hein? Ils arrivent même à faire des prévisions sur nous, sur notre production. Alors, par exemple, ils font un rapport de production. Ils disent que nous avons fait ça, ça, ça et ça sur la base d'une certaine non-production. Où est-ce qu'ils cherchent les informations? Web of Science. Alors, c'est écrit Thomson Reuters, mais le Web of Science, maintenant, il n'appartient plus à Thomson Reuters, mais à Clarivet Analytics, je vais en parler tout à l'heure, il a été racheté, mais le rapport avait été préparé avec la production d'avant. D'accord? Donc, vous voyez, et essentiellement, Science Citation Index Expanded, Data Treatment by Science Metrics. Donc, vous voyez que les rapports, voilà où ils vont chercher leurs informations. Maintenant, quand ils ont fait en 2010 le rapport de recherche sur l'Afrique, ils ont dû faire un document à part sur l'Afrique parce que l'Afrique n'apparaît pas dans le paysage mondial. D'accord? Elle n'apparaît pas, à part peut-être un peu l'Afrique du Sud. Donc, ils ont fait un rapport à part. Alors, quand on regarde ce rapport, où est-ce qu'ils vont chercher leurs informations? Web of Science. Même quand ils veulent voir les rapports de l'Afrique, ils cherchent leurs informations dans le Web of Science, Data Sources. Alors, ils donnent le classement de certains domaines en Afrique. Hein? Donc, ils disent quelles sont les nations les plus prolifiques. Hein? Entre 2004 et 2008, ça c'est le rapport de 2010. Et ils ont classé les 5 premières nations par
discipline, on va dire. Discipline ici, ce n'est pas au sens des divisions que j'ai données tout à l'heure. D'accord? C'est au sens des divisions qui ne sont pas normalisées, parce qu'il y a deux ou trois types de normalisation. Ce qui est important de savoir, c'est où ils vont chercher leurs informations. Thomson Reuters, essentiel indicateur database. Toujours, c'est la même source. Alors, par exemple, on va essayer de voir. L'Algérie, elle est en violet. On n'apparaît pas en agriculture, on n'apparaît pas en biologie, en chimie, on est troisième, en médecine, on n'apparaît pas, en informatique, on est troisième, en économie, on n'apparaît pas, économie et finance, en ingénierie, on est troisième, environnement, écologie, on n'apparaît pas. Alors, quand je dis on est troisième, ça veut dire qu'il n'y a que certaines sciences qui font représenter l'Algérie. Je continue. Et vous voyez, en géosciences, on est quatrième, parce qu'on est pays producteur de pétrole. En immunologie, on n'apparaît pas. En sciences des matériaux, on est troisième. Et quand je dis on est troisième, on est loin devant l'Égypte ici. Hein. Regardez, le tiers. Hein. Et on est loin devant l'Afrique du Sud, le dixième, moins du dixième. C'est-à-dire, même quand on dit troisième, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième, il peut y avoir tout un monde. D'accord? Ça. Alors, toujours, en microbiologie, on n'apparaît pas. Mathématiques, on est cinquième. Et on est cinquième, en fait, on a la décidé l'Imrebel, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. En biologie et génétique, on n'apparaît pas. Donc, vous voyez, pratiquement toutes les sciences qui restent, on n'apparaît pas, sauf la physique. Où on est troisième. Quand on dit on est troisième, ben c'est la moitié de la production de l'Égypte. Et aussi les sciences spatiales. D'accord? L'Algérie est cinquième. Mais en fait, on est cinquième. C'est pas nous qui sommes forts, c'est les autres qui ne font rien. Parce qu'on a 24 publications et l'Afrique du Sud en a 556. C'est-à-dire le coin marteau cinquième, frère. D'accord? Hein? C'est pour juste vous dire qu'il y a une sonnette d'alarme à tirer. Regardez, le corona qui fait le pétrole. On n'a aucune chance si on ne relance pas. Hein? Si on ne relance pas notre production scientifique, on n'a aucune chance. Youssef, s'il te plaît, dès qu'il reste 10 minutes, tu me dis, je ne sais pas. Alors regardez, tout à l'heure il s'était écrit Burke Thompson Reuters Sources, mais la source, regardez, c'est bien écrit ici, Web of Science. D'accord? Ils se sont permis de faire un classement. Ça demande, je leur dis, moi, ce qu'il fait, c'est les publications. Ok, on a dit Web of Science. Andek, on a dit Web of Science. Il y a que c'est le rapport mondial. Tu trouves un petit 400 revues. Un des 400, on a dit Web of Science. D'accord. Alors, ils produisent des tonnes de patata. Tu vous enfles les normes de l'exportation. Sinon, mettez baisse sur le marché mondial. Alors, par exemple, le réseau de collaboration. Voici le réseau de collaboration en Afrique. Ils l'ont fait. Ce n'est pas le réseau en soi qui m'intéresse. D'accord. C'est-à-dire que pour eux, regardez, d'abord, on ne collabore avec personne. À part je suis avec l'Égypte. L'Égypte, il collabore avec les autres. Ça veut dire on est scientifiquement détaché de l'Afrique. Scientifiquement, on est détaché de l'Afrique. Mais je ne suis pas l'Afrique. Je crois que les ne fait pas partie de l'Afrique. D'accord? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce rapport, Minjib de la source, toujours Web of Science. Toutes les conclusions qu'ils font, toujours Web of Science. Je continue. Ils cherchent là les collaborations avec les 6 pays africains, avec les pays clés dans le monde en science. Ça, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, hein, comment on collabore. Mais Winjib de l'information, Web of Science. Z. Ah. Qui le monde des sciences sociales, ils n'ont pas pu faire de comparaison en Afrique. Il y a eu un blocage. Makadrouch. Hello, le Scopus.
Parce qu'il y avait des zéros qui apparaissaient et on ne peut pas comparer entre deux zéros. Et ceci, ils l'ont fait que pour l'Afrique. Mais tiens, même ce qu'on puisse faire, Aïdjaya. Ok, ça. Je continue. Donc c'est Scopus et WOS, c'est Web of Science. Maintenant, les tendances scientifiques en spécialisation. Quels sont les pays qui contrôlent les branches scientifiques? Quelles sont les tendances des branches scientifiques? Alors, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Pourquoi j'ai choisi ces slides? C'est-à-dire les slides, mais parce qu'ils se font. Il y a des rapports qui se font tous les 5 ans, il y a des rapports qui se font tous les 10 ans. Donc, quand la vidéo que Gawain filme, certains slides, vous allez les revoir plusieurs fois. Ça. Par exemple, si je prends Naya, les 5 pays concernés, les États-Unis, l'Angleterre, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi l'Angleterre est presque considérée comme un continent toute seule. L'Allemagne, le Japon, la France et le Canada. Ben, on voit par exemple pour l'astronomie, vous avez les couleurs qui vous donnent chaque pays, quels sont ses forces scientifiques. Ça, ils ont comparé 5 pays. On a pris un peu plus de branches, on a pris maintenant les pays émergents. D'accord, les pays émergents, on va les comparer. Regardez bien, ils ont pris la Turquie, la Malaisie, le Mexique, le monde arabe, l'Afrique subafrique, l'Afrique du Sud, et l'Amérique latine. Ils ont pris l'exemple du moins le Brésil. Où on a l'Afrique subafrique, le Sub-Sahara, moins l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud est un état en soi scientifiquement. Sauf l'Afrique du Sud. Le Brésil est un état scientifiquement puissant. Donc, le continent sans le Brésil. Le Brésil, scientifiquement, il se distingue. Regardez, ils ont mis le monde arabe. Makdrouchi dero par pays. D'accord? Ou machi, makdrouchi djumou, même hagdak, ça, le monde arabe se porte bien par rapport à tous ces pays. D'accord? Mais les autres sciences, même hagdak, ils se distinguent. Regardez, maths, physique, sciences sociales, me cache. Psychologie, monde arabe. Là, je parle du monde arabe. D'accord? Etc. Donc, je vous ai donné un peu comment les rapports dans le monde montrent la production scientifique, quelle base ils utilisent. D'accord? Alors, donc, je vais parler un peu du Web of Science, parce qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que ce Web of Science. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce Web of Science et comment il est né? Donc, le Web of Science, qu'on note comme ça, WOS. Quand on dit WOS, ça veut dire Web of Science. Alors, Web of Science, c'est quelque chose qui a été créé par Eugene Garfield en 1960. Et à l'époque, c'était à l'Institut de Institute for Scientist Information, ISI, qui est une grosse boîte maintenant à l'international. Elle fait même la radio, la télévision, les rapports scientifiques, etc. Donc c'est Eugene Garfield en 1960, quand les revues commençaient à devenir proliférantes, il y avait beaucoup de revues, et il commençait à y avoir ce qu'on appelle des revues prédatrices, c'est-à-dire des revues qui arnaquaient les scientifiques et qui arnaquaient aussi le monde qui utilise les résultats de ces revues-là. Il a mis en place un conseil scientifique à l'international qui ne dépend d'aucun éditeur pour, ou c'était un journaliste scientifique. Il voulait classer les revues, il a mis en place un conseil scientifique qui donne, qui ont mis des critères pour dire que cette revue, le Web of Science ou le Metatrolch, c'est-à-dire qu'elle a la confiance de ce comité scientifique. C'est un comité scientifique à l'international. Maintenant, le taux d'intégration des revues qui postulent pour intégrer le Web of Science, il est de 10% par an. C'est-à-dire s'il y a 1000 revues qui postulent, ils n'en prennent que 100. C'est le taux moyen d'acceptation. Et quand vous postulez, si vous êtes accepté, vous êtes accepté avec 3 ans d'historique de votre production. Si vous êtes rejeté, vous devez attendre 3 ans parce qu'on évalue 3 ans de votre production. Et il y a des revues qui sont exclues. Fibonacci Quarterly, elle a été exclue, elle n'a jamais pu réintégrer parce qu'elle fait une exagération d'autocitation.
Ça manage un peu l'oublier, c'est le parfait, mais disons que c'est la meilleure pour le moment source qui regroupe les revues. Bah, sur les 12 000 revues, peut-être qu'il y en a une centaine ou une cinquantaine qui ont un niveau plus faible que celles qui sont dans d'autres bases. C'est possible. Mais globalement, elle a la confiance de beaucoup d'organes internationaux. La Banque mondiale, l'UNESCO et les autres organes que je vais montrer tout à l'heure. Alors, il a été récupéré par Thomson Scientific Card en 1992. D'accord, ça commençait à devenir, donc c'est le Thomson Reuters mondial. Et en 2016, elle devient propriété de Clarivate Analytics avec des Japonais comme actionnaires principaux. Donc maintenant, ce n'est plus Web of Science de Thomson Reuters, mais Web of Science de Clarivate Analytics. Ça. Quelles sont les institutions d'évaluation qui utilisent le Web of Science dans le monde? Quelles sont les institutions qui évaluent sur la base de la production dans le Web of Science, qui ne regardent pas les autres bases? L'UNESCO, les rapports de l'UNESCO, l'ANSF, le Royaume-Uni, d'accord, les deux, vous avez deux organes au Royaume-Uni. Vous avez l'Union européenne, la direction de la recherche de l'Union européenne. Vous avez le Canada, parce que le Canada, vous avez plusieurs États, hein, plusieurs principautés, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Donc, par exemple, pour le Québec, vous avez celle-là, etc. Vous avez la France pour le ministère de la Recherche, pour l'OST et pour le CNRS. Ils ont d'autres organes hein, qui regardent autre chose, mais ces trois organes ne regardent que le Web of Science. Vous avez l'Allemagne pour le Max Planck Institute, les laboratoires associés au gouvernement et les deux organes suivants. Vous avez l'Afrique du Sud, surtout pour les sciences humaines. Ils ne regardent que le Web of Science. C'est pour ça qu'il sort du lot. Vous avez l'Académie des sciences de Chine. Et vous avez deux organes au Maroc et en Tunisie. Nos voisins, juste à côté, là. Quels sont les classements internationaux qui utilisent que le Web of Science? Le classement de Shanghai, le THES, et le classement de Leiden. Il y a d'autres classements importants. Ben, vous avez le CIMAGO, qui est un classement qui est relatif à Scopus. Vous avez le Webometrics, qui lui regarde le nombre de pages web que vous éditez et comment vous les éditez. Vous avez un autre classement qui est que le THE, pas le THES, qui lui regarde aussi Scopus. D'accord? Alors, Scopus, pourquoi il est rejeté par certains organes internationaux? Parce qu'il est en même temps jugé parti. Parce qu'il appartient à l'éditeur qui est Science Direct. D'accord? Il a un bon moteur de recherche, il est en train de s'améliorer, mais il a une casserole qu'il est difficile de ne pas prendre en charge. Mais, essentiellement, les Scopus, il faut savoir que le nombre de revues qu'il y a dans le Web of Science, il est entre 12 000 et 14 000, tout à l'heure on comprendra pourquoi j'ai dit ça. La plupart de ces revues sont dans Scopus. En fait, ils sont dans Science Directe. Il y a à peu près 1000 revues qui sont dans le Web of Science et qui ne sont pas dans Science Directe. C'est-à-dire, quand vous regardez le classement de Scopus, vous avez le Q1, Q2, Q3 et Q4. Les revues qui sont dans le Web of Science sont dans Q1 et Q2 essentiellement. Vous pouvez trouver quelques-unes rares dans le Q3. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que le Web of Science? Je vais mettre tout ça à la fois, comme ça j'explique, d'un seul coup. Alors, d'abord c'est une revue, c'est une indexation de revues qui sont écrites dans 42 langues différentes, dans l'arabe, et il y a même des Algériens qui ont des articles en arabe. J'ai trouvé deux articles en arabe dans le Web of Science, d'auteurs algériens, je ne parle pas des auteurs étrangers. Bien que alors il y a plus de 9200 revues en sciences et techniques.
il y a plus de 3400 revues en sciences sociales. Et il y a plus de 1800 revues en sciences humaines et arts. C'est-à-dire, si je les regroupe tous les deux, il y a plus de 5000 revues en sciences, en SHS. Pourquoi j'ai dit plus de et je n'ai pas donné le chiffre exact? Parce que vous allez faire la somme et vous allez me dire que ce que tu as dit est différent du total. Parce qu'il y a des revues hybrides. C'est-à-dire, vous avez une revue, par exemple, énergie et économie. Elle est indexée en énergie, en sciences et techniques, et elle est indexée en économie, en sciences sociales. D'accord? Donc, il y a des revues qui sont hybrides et qui sont sur plusieurs domaines. Ça, qu'est-ce que l'impact factor? Alors, le Web of Science, quand vous intégrez le Web of Science, vous êtes accepté pour un passif de 3 ans. Mais l'impact factor, il se calcule par le JCR, Journal Citation Report. Et le JCR, il fait un seul rapport par an au mois de juin. Fin juin. C'est-à-dire maintenant, vous pouvez rentrer sur un site web, trouver une revue qui vous dit que ça a été, j'ai été accepté au Web of Science, voici pour mon impact factor. Vous rentrez sur le site du Web of Science, vous n'allez pas la trouver. Vous allez la trouver au mois de juin. Parce que le JCR, il fait un seul rapport par an. D'accord? Journal Citation Report. Donc, c'était la source de l'impact factor. Mais ce ne sont pas toutes les revues du Web of Science qui ont un impact factor. En fait, vous avez Science Citation Index, sciences et techniques, elles ont un impact factor. Vous avez sciences sociales, elles ont toutes un impact factor. C'est-à-dire, vous avez un impact factor, c'est-à-dire un indicateur de citation sur les 2 ans de production avec l'année actuelle. On peut calculer l'impact factor dans n'importe quelle base. Hein. Donc vous pouvez trouver des revues dans des bases, on vous dit impact factor, mais ce n'est pas l'impact factor du Web of Science. Donc quand les gens vous parlent d'impact factor, ils parlent de l'impact factor du Web of Science par défaut. Les sciences humaines et arts, on ne calcule pas d'impact factor pour ces revues-là. Parce que vous avez des revues où il y a des photos, où il y a des dessins, où vous avez aussi des œuvres d'art, et on ne sait pas évaluer un taux de citation, d'appréciation. D'accord? Donc, l'architecture aussi. Vous avez les proceedings, donc ici, ils ont fait la séparation à cause du fait que certaines revues, on peut calculer l'impact factor, pour d'autres, non. Mais pour les proceedings, ils les ont regroupés. Vous avez ici sciences sociales et sciences humaines. Et ici, vous avez les proceedings pour Science Citation Index. D'accord? Depuis 2016, ou la 2015, il y a une nouvelle catégorie de revues qui ont intégré le Web of Science, pour lesquelles on ne calcule pas l'impact factor. C'est ce qu'on appelle les présélections. À l'impact factor, ils ont été intégrés, c'est ce qu'on appelle emerging, les revues émergentes. Emerging Source Citation Index. D'accord? C'est 2015 jusqu'à maintenant. Maintenant, elles ont intégré l'impact factor. C'est-à-dire que le comité scientifique du Web of Science a dit que oui, elles sont susceptibles de rentrer, mais on veut observer un peu plus. Ça veut dire que scientifiquement, elles sont valables. Elles sont valables en termes de critères. Je dis en termes de critères, je ne suis pas le juge. Hein. Je parle de ce comité international qui s'occupe de ça. Et il y a aussi 4 autres sources. Donc une source pour l'indexation des livres en sciences et sciences humaines et sociales. Et il y a 2 autres sources qui sont l'indexation des molécules chimiques. Parce que les chimistes, ils ont des molécules et ils ont créé une base d'indexation aussi pour eux. Ça, dont je ne parlerai pas ici. Alors, ce slide, pour moi, ce slide, il peut faire l'objet d'une conférence de 2 heures tout seul. Mais il faut qu'on comprenne pourquoi. Alors, ce slide, qu'est-ce qu'il donne? Ça, il est un peu vieux. Ça, quand je dis un peu vieux, il date d'un an et demi, 2 ans. Parce que pour le préparer, ça demande beaucoup de temps. Ça, tu fais avec le slide, mais il y a 3 semaines, on peut être. D'accord? Il donne les pays qui ont des revues indexées dans le Web of Science. Alors, en sciences et technologies, art and humanities, and social science, et le total. D'accord? Donc, vous avez toutes les revues, j'en ai enlevé une ou deux. Une pour éviter des questions politiques. Hein? Parce que alors,
Je vous demande de remarquer la chose suivante. D'abord, chose qu'il faut remarquer, il n'y a pas l'Algérie. Hein. D'accord, mais je ne sais pas l'Algérie, mais qu'est-ce la Tunisie, mais qu'est-ce le Maroc. دخلت في emerging قبل ما ندير هذه emerging اللي دخلوا في emerging كاين زوج داكور صح alors regardez maintenant par exemple le plus gros chiffre vous voyez c'est ici c'est les États-Unis vous allez me dire c'est normal hein c'est normal c'est les États-Unis mais regardez le taux de revue en sciences humaines et sociales il est plus de 1800 plus de 1900 Hein, presque aussi important que le nombre de revues en sciences et technologies. Ça. Regardez, par exemple... alors, celui-là, c'est un peu différent, parce que c'est le pays qui abrite Sciences Directes. Donc, c'est un peu normal hein, qu'on trouve... ils encouragent un peu les revues et ils cherchent les chercheurs à l'extérieur pour encourager les revues. Regardez la République de Chine. Elle n'a que 200. Et où c'est la Chine? Le Japon, 252. L'Italie, c'est assez élevé. La Suisse, 258. L'Allemagne, 851. La France, 268. Voyez, si je prends tous les pays d'Europe, mais où est-ce l'Angleterre? Comme l'Angleterre continent, scientifiquement c'est un continent tout seul. C'est pour ça qu'il s'est permis de rentrer en Europe. Il reste 10 minutes. Ça. Il reste 50 minutes. Ça, je vais sauter cette slide. Je vais donner la production nationale dans le Web of Science. Alors, globalement, nous avons 46 000 articles sur 63 000 documents. Alors, quand je dis documents, parce qu'il y a des proceedings, il y a des notes, etc. Mais les articles de recherche, toutes les sciences, nous avons 45 000 dans le Web of Science, 55 000 dans Scopus. Vous voyez que la différence n'est pas si importante. Hein? La différence n'est pas si importante, c'est normal. Hein? C'est normal. C'est-à-dire que nous avons une bonne production. 80% de la production, hein, elle est dans Web of Science. Mais les 20% qui restent, il faut que je déroule ma chèque dans le pays. Alors, je vais passer les statistiques. Vous voyez donc Scopus, Web of Science, il y a des comparaisons. Hein, je les mets côte à côte, c'est presque la même chose. Donc, les conférences, les articles, les conférences, les book chapters, les lettres, les meetings abstracts, etc. Je passe. Là, vous avez les productions par année. Vous voyez que la production augmente. Le marron, c'est Scopus. Et le bleu, c'est Web of Science. Hein? Donc, vous voyez que la production augmente chaque année. Donc, on converge vers les bonnes pratiques de production. En fait, dès que vous augmentez votre production dans le Web of Science, vous l'augmentez automatiquement dans Scopus. Parce que 90%, plus de 90% de la production du Web of Science est dans Scopus. D'accord ? Donc, il vaut mieux viser les bonnes revues. Ça. Les universités. Alors, les universités, j'ai fait un petit classement qui est certainement subjectif de ma part, mais c'est pour dire ceux qui publient dans Web of Science, c'est Scopus et le rapport. Par exemple, Oran publie bien. Elle publie. La plupart de ses publications, c'est elle qui a le taux le plus élevé dans le WOS. C'est un taux qui peut dépasser 100%. Vous pouvez trouver 1,1 parce que vous n'avez pas toutes les revues du Web of Science qui sont dans Scopus. Donc, ce n'est pas un pourcentage, c'est un taux, mais qui n'est pas borné par 1. Ça a un sens mathématiquement. D'accord ? Ça. Donc, vous voyez qu'il y a des universités qui publient mieux que d'autres. C'est juste l'information qu'on a. Elles publient mieux. Elles visent mieux les revues qu'elles choisissent. Donc ça donne une idée. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, ça c'est la langue dans laquelle les choses sont produites. Donc vous voyez, il y en a deux en arabe dans Web of Science, 27 dans Scopus. Et essentiellement, la production elle est en anglais. Ensuite, il y a le français qui vient. Les collaborateurs, on collabore beaucoup avec la France, Arabie Saoudite, l'Espagne, l'Italie, etc.
les domaines où on publie, donc sciences des matériaux, l'ingénierie électrique, la physique appliquée, la chimie physique, la physique condensée, les mathématiques, mathématiques appliquées, chimie multidisciplinaire, etc. Donc vous voyez, c'est dans ce sens, c'est comme ça que sont réparties les productions nationales. C'est la même chose, juste ici, c'est la comparaison entre Web of Science et Scopus. Dans quel domaine le classement? C'est pratiquement les mêmes classements, hein, vous voyez. Mathématiques ici, ingénierie, ils sont là, sciences des matériaux, ils sont côte à côte, donc les domaines sont proches. Ce slide-là, je voulais parler de quelque chose, mais comme je n'ai pas le temps, je vais sauter. D'accord? Production nationale en sciences humaines et sociales. OK. Ça. Alors, nous avons 318 articles sur 883 documents et 415 conférences dans le Web of Science. Ça, vous allez me dire Web of Science, je vais vous dire Scopus, c'est à peine le double. Hein, ou un peu plus du double sur 2200 documents. Ça a quand même des conférences, et pas les documents, c'est-à-dire des résumés, des lettres, etc. Et vous avez 494 conférences. Ce qui m'intéresse, c'est ce chiffre et ce chiffre. Vous allez me dire 318 ou la 718. À la limite, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, je vais parler de 1 ou de 2. Hein? Eh bien, ça veut dire qu'on a moins d'un demi-article par laboratoire en sciences humaines et sociales depuis l'indépendance. À vous de me dire comment je dois interpréter ça. On a moins d'un article, moins d'un demi-article par laboratoire en sciences humaines et sociales depuis l'indépendance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Nahit tous les documents qui sont hybrides. Parce que tu es le gars ou quelqu'un qui est en physique, qui publie sur quelque chose, à l'énergie ou économie, il se voit mal l'économie. Là où il y a des sciences dures, j'ai enlevé. Parce qu'il croit purement les sciences sociales. Voilà notre production. Dans le Rasoul Scopus, je fais où je habite. C'est-à-dire les chiffres que je vais vous montrer, multipliés ou par 2,5, par 3, comme le Scopus. Alors, sur les 300 publications, on a un H-index de 19, ça veut dire que nous avons 19 articles qui sont cités plus de 19 fois. Pour toute l'Algérie. Et nous avons 3000 citations. Et voici l'évolution de production. La dernière décennie est assez représentative en termes de production en sciences humaines et sociales. Il y a eu un effort considérable par rapport aux productions des années précédentes. On le voit, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce dessin, malgré qu'on était comme les années mobiles. Là, il est plus parlant, il explique beaucoup mieux. Ça, sur les 318, hein, ça veut dire Hadouk sélectionné. Voici le graphe. Ça, c'est des données actualisées à ce matin, hein, 4h du matin. D'accord. Ça, distribution chronologique de la production algérienne en SHS dans le WOS, c'est le graphe de tout à l'heure, sauf que c'est en diagramme à barre. Les universités où on produit le mieux. Ça, Steve Kamel, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, ça. Mais ce n'est pas grave, hein. C'est pour vous dire, voici la production algérienne. Kamel, faites les 318. Mais je n'ai pas un seul article, parce qu'ils sont très nombreux. Tout ce qui reste, chaque établissement a un article. Tel deux, vous dites, les deux. Les cadeaux, c'est 1 par établissement. D'accord? Hein? Donc voilà ce que ça donne en termes de production. Depuis l'indépendance. Hein? OK? Alors, maintenant, en termes de... On le voit mieux comme ça. Hein? En neuf, la littérature, 41. En sciences sociales, 26. Il y a 26 articles fois pour ça, hein, en sciences sociales. Moins que les universités, l'idéal ou les sciences sociales. Ça veut dire qu'on a un par université, mais qu'il faut niche. D'accord? Maintenant, après, on va se poser les questions. Pourquoi? En histoire, il y en a 22. La loi, tout ce qui est juridique. En sciences de l'éducation, en finance, hein, en environnement public, etc. Développement d'études, de démographie, l'art, la philosophie, l'architecture, la partie économique, parce qu'il y a l'architecture à partie génie civil. Ça, c'est, je les ai enlevés, architecture, partie génie civil. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord? Alors, WOS Algérie, WOS Tunisie, WOS Maroc. Et là, ça fait mal. Hein?
Vraiment, ça fait mal. Ça, c'était à 8h du matin. À 7h du matin, pardon. Pourquoi ça fait mal? 40 millions d'habitants, 11 millions d'habitants. C'est-à-dire, si on normalise, vous comprenez pourquoi Mekabel Hatton l'Algérie ou Tunis le fort? Si on normalise par million d'habitants, je n'ai pas osé mettre des chiffres. Hatton par 40 millions, non? Ou 11 millions, non? Ou 33 millions et demi, non? Et quand on compare, parce que même quand on compare, le nombre de doctorants au Maroc et en Tunisie, il est encore beaucoup plus faible que le nombre de doctorants et chercheurs en Algérie. D'accord? C'est-à-dire, si on normalise les deux fois, ça ne peut pas s'écrire. D'accord? Donc, ça, c'est pour Balk. Après, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Parce qu'il y a 63 000 productions donc, pour toute l'Algérie. Sur les 63 000, il y a 45 000 articles. Pourquoi il n'y a que 318 en sciences sociales et humaines? Question que je me pose. Donc il faut qu'on trouve un autre moyen pour faire valoir tout ce qu'on sait faire. Ça, les laboratoires, ce n'est pas important. Vous savez qu'il y a 1379 labos avant l'évaluation des JDEDA. Et sur les 1379, plus de la moitié sont en sciences sociales humaines. Voilà, ou barakallahu fikoum. J'ai sauté beaucoup de slides, mais la ralep, c'est le temps qui l'a imposé. Ça.